Bismillahirrahmanirrahim. Avec le cours de la terminologie médicale. Donc, nous allons voir dans ce cours les étapes de dérivation d'un concept de technique médicale. C'est la continuité du cours concernant les instruments, la technique, les concepts d'instruments médicaux. Voilà, dans ce cours-là, nous allons utiliser les Donc, nous allons utiliser les ordres vocaux mif'aliyah et mif'aliyah. Donc, nous avons déjà vu que mif'al et mif'al, ce sont deux ordres vocaux concernant les instruments. Donc, il suffit d'ajouter iya à la fin de chacun d'eux pour obtenir pour à la fin de chacun d'eux pour obtenir la technique liée à l'instrument. Et donc, nous allons vous montrer comment on va utiliser comment on va dire. Comme toute étape de dérivation, il faut trouver la racine. La racine, il a déjà le concept de base que vous voulez. Donc, c'est souvent dans notre contexte pour la technique, c'est un organe. Et donc, on choisit l'ordre vocal qui va correspondre au concept que vous voulez véhiculer. On veut véhiculer une technique liée à un instrument. Et donc, on va utiliser l'ordre vocal mi. Mi, c'est la partie additionnelle. Mif. Donc là, vous avez un madda, liya. Donc, mif'aliya, ça c'est l'ordre vocal qui est destiné à obtenir une technique médicale. Et donc, il suffit de remplacer f'al, les consonnes, par les lettres t, s, b, et on va obtenir dans ce cas-là, mirq. Donc, mirq. Sa bi yeah. Donc mirsa bi yeah. Sa. Donc là vous avez ici donc vous avez ici le on a oublié ici là une petite un petit chapeau qui correspond à la médaille et donc mirsa bi yeah. Mirsabiya. En français, bien sûr, les règles de structuration sont différentes. Donc, on doit choisir le corps qui correspond à la concept de base de notre racine, qui est branche, et donc bronchou. Et on va ajouter le suffixe qui veut dire technique. Pour la technique, on va ajouter IE pour le scope. Le bronchoscope est l'instrument. Et donc, le suffixe ici de la technique, c'est scopie. Scopie. Scopie, ça veut dire la technique qui va nous permettre de voir. La technique, tout ça, c'est ce petit mot-là, ce suffixe, veut dire la technique qui va nous permettre de voir quoi? De voir le corps, de voir le bronchoscope. Bronchoscope. Et donc là, je vous rappelle ici, on a vu plusieurs instruments. On a vu le minshaq, chambre d'inhalation, misfar, 10 mètres de pointe, minzef. Minzef, ici aussi, on a besoin de mettre un petit chapeau pour le. Donc, ce n'est pas le ha, c'est le ha, la lettre ha, qui est propre à la langue arabe. Minzah, qui veut dire drain, drain. Et la technique, c'est le drainage. Ça, c'est so, c'est pas si, so, so. Mais so, c'est l'échographe, l'échographe. Min, za, min, fer, c'est le spiromètre. Mixège, c'est l'oxymètre. Mirnan, c'est l'appareil d'imagerie, par exemple. Tout ça, on l'a vu dans le cours concernant le clip concernant les instruments. Et donc, il suffit d'ajouter à ce mot dérivé ici, il suffit d'ajouter le i, on a vu,
y a à la fin pour obtenir l'instrument. Et donc l'IA qui répond à, bien sûr, pour l'ordre vocal, mif'aliya ou mif'aliya, ça dépend de l'instrument. Donc IA, technique, ça veut dire en arabe, tirniya. Donc ici, mif'aliya, ça veut dire début maîtrise. Donc là, on a dit que IE, ça va transformer technique. Début maîtrise de pointe. Misbah, IE. Échographie. C'est la technique qui va utiliser l'échographe. Mish'ar, c'est la technique qui va utiliser le radiographe. Le radiographe, c'est la radiographie. Mixagie. Encore, donc il n'y a pas de chapeau. Mixagie. Mixagie, c'est l'oxymétrie. L'oxymétrie, c'est la technique qui va utiliser l'oxymètre. La technique qui va nous permettre d'évaluer, de mesurer l'oxygène dans le sang. Minsa fille. Minsa fille. C'est la technique qui va nous permettre de voir le minsaf. Minsaf, c'est le médiastinoscope. Minsafia, elle va utiliser minsaf. Donc, elle va utiliser quoi? Le minsaf. Minsaf, l'instrument. Minsafia, c'est la technique. Médiastinoscope, c'est l'instrument. Médiastinoscopie, c'est la technique. Donc là, on ne l'a pas vu tout à l'heure. C'est un instrument qui permet de voir le médiastin. De voir le médiastin. Et tout ce qui se trouve en scopie, c'est de voir. Donc, c'est une technique de vision à l'intérieur d'un organe. Ici, c'est le médiastin. Mifras, c'est l'instrument. Mifras, on est devant la technique. Tomodensomètre, c'est l'appareil. On l'appelle plutôt le scanner. On utilise plutôt le scanner et pas tomodensitomètre. Et donc, la tomodensitométrie, c'est la technique qui va utiliser le scanner pour visualiser quoi? Pour mesurer quoi? Donc, elle mesure quoi? Elle mesure la densité. La densité, le corps, c'est densité. Et cette densité, sur des coupes, tomo, c'est des coupes d'organes, coupes de l'organisme. Donc, ces coupes, c'est des coupes virtuelles. Enfin, on ne va pas couper le corps, mais c'est une imagerie. C'est une technique d'imagerie qui va voir, elle va attribuer à des parties de l'organe ou de sa structure une densité, et cette densité, elle va se ravitailler sous forme d'une nuance de gris, donc de noir au blanc, en fonction de la densité de l'organe. Et donc vous aurez l'impression que c'est une coupe de l'organe. Mais c'est juste une reconstruction par l'ordinateur des mesures de densité. Mesures de densité sur des coupes. Et donc, en arabe, l'appareil s'appelle mifras et la technique mifrasiya. Ici, l'appareil c'est minfas et la technique c'est minfasiya. Et donc, le spiromètre c'est l'appareil, la technique c'est spirométrie. C'est la technique qui va permettre de mesurer, évaluer la respiration et particulièrement, on a dit, c'est le volume mobilisable. Vous rappelez l'appétismographie. La plétismographie, c'est la technique qui va mesurer le volume non mobilisable. Ici, c'est le volume mobilisable. Donc, il va utiliser ici le spiromètre. Donc, le spiromètre, en arabe, c'est le minfas. Puis, vous avez la thoracoscopie. La thoracoscopie, c'est une autre technique qui va utiliser, qui permet de voir le thorax à l'intérieur. Donc, tout le thorax. Et donc, la thoracoscopie, la technique, l'appareil, c'est le thoracoscope. C'est le thoracoscope. Ce thoracoscope va permettre de voir le thorax à l'intérieur. Thoraco, c'est thorax. Donc, la technique, l'appareil s'appelle Misdar et la technique, c'est Misdari. Donc,
La technique, l'appareil s'appelle Misdar et la technique s'appelle Misdariyya. Donc voilà, on a vu une série de techniques qui permettent d'utiliser des instruments. Et donc apprenez les étapes de dérivation technique en passant par les étapes habituelles qui sont dans ce cours-là. Et connaître un peu quelques termes et les techniques. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Bien sûr, je ne vous ai pas mis tous les instruments et toutes les techniques médicales, c'est juste des exemples. Donc, il faut les connaître et il faut savoir les extraire dans un texte médical. Donc, si je vous donne un texte médical, il faut savoir reconnaître ce qui revient à un instrument. Ce qui revient.